choses comme elles sont. Y a beaucoup trop de cons sur notre petite planète. Tout le monde est d'accord là-dessus, faut bien l'admettre. Mais qui sont ces fameux cons? Ça dépend à qui on pose la question. Mais tout le monde a une opinion. Y a les cons de droite et y a les gauchistes, ceux qui sont au centre et les anarchistes. Des cons, on en trouve partout, il y en a pour tous les goûts. On m'a souvent traité de con et je dois dire que parfois c'était sans raison. C'est souvent comme ça dans les moments de passion. D'ailleurs, je peux en parler, car moi-même, quand je deviens un peu énervé, je traite de con tout ce que je vois à la télé. Ceux qui sont de droite et ceux qui sont de gauche, ceux qui sont très beaux et ceux qui sont moches, des cons, il y en a beaucoup. Qui sont un peu moins cons que les autres. Et à ces cons-là, je dis à la vôtre, on va avoir besoin de vous pour changer le cours de notre histoire. Car pour l'instant, c'est plutôt la foire. Y a des pauvres cons et y en a des riches. Il y a des petits cons qui se prennent pour des fortiches. Quand il s'agit de conneries, il n'y a pas de monopolie.